Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités, tendances de la mode africaine. Je suis Dodjanya, c'est parti. Quelques idées de look en short tendance à tester. À l'instar des pluies saisonnières et de la brève période d'harmattan, la chaleur ne cesse de se faire ressentir. Le short semble donc être le parfait allié pour être à la fois tendance et confortable. Il y en a pour tous les goûts, en tissu, en jean, taille haute, très court, version tailleur et bien d'autres. Et franchement, c'est la pièce qu'on adore porter quand il fait chaud. Nous vous donnons donc quelques conseils pour être stylé en short en toutes circonstances. En fonction de votre style et des circonstances, bien entendu, si vous allez au boulot, on vous conseille de choisir des matières légères comme de la soie ou du satin et surtout pas trop courtes. Vous pourrez l'associer avec votre blazer ou un joli kimono. Pour les curvy girls, optez pour un short taille haute avec un coupe un peu évasé. Votre taille sera marquée et flattera joliment votre silhouette. Le short boyfriend est également le bienvenu. Les looks mémorables sur le tapis rouge des SAG Awards 2020. Les SAG Awards 2020 n'ont pas manqué de robes de rêve, de fentes sensuelles à la cuisse, de costumes impeccables et d'accessoires éblouissants. Pour la troisième fois en deux semaines, les stars du cinéma et de la télévision se sont réunies pour une autre cérémonie de remise de prix. La 26e édition des Screen Actors Guild Awards a célébré les performances cinématographiques et télévisuelles exceptionnelles de l'année civile précédente. Le dimanche 19 janvier 2020 à Los Angeles en Californie, dans la foulée des Golden Globes, des Critics' Choice Awards, les SAG Awards ont vu le plus grand nom d'Hollywood sortir avec des looks hors du commun sur le tapis rouge. Du décolleté structuré de Scarlett Johansson à l'ensemble classique de Lupita Nyong'o, une superbe robe Louis Vuitton en noir et blanc comprenant 20 000 paillettes et 12 000 perles de verre. Découvrez qui a retenu plus d'attention sur le tapis rouge avant même que les gagnants de la soirée ne soient annoncés. Comment obtenir la coiffure boucle de paille de Tiwa Savage? La chanteuse nous a absolument impressionnés avec son relooking 2020. Le look comportait une superbe coiffure en boucle de paille qu'elle a associée à un maquillage glamour doux d'inspiration nude. La coiffure de Tiwa a enflammé la toile et il est facile de voir pourquoi. Le look est venu comme une bouffée de cheveux frais et un moyen pour le numéro 1 en Afrique et de se réintroduire dans cette nouvelle année. Les boucles de paille sont une façon intemporelle d'utiliser des rouleaux de cheveux vraiment maigres ou avec sans chaleur pour boucler vos cheveux. La meilleure partie est qu'il peut être utilisé pour différentes longueurs de cheveux. Pour obtenir le style de boucle de paille particulier de Tiwa, vous devez d'abord obtenir une coupe de cheveux similaire. Un mohawk à coupe douce laissant suffisamment de cheveux sur le dessus pour obtenir l'effet de mini-chute de boucle sur le front. La coiffure en boucle de paille est facile à réaliser, mais peut être un peu difficile à gérer car les boucles disparaissent plus tôt que vous ne l'auriez souhaité si elles ne sont pas correctement protégées. Selon notre expert, la coiffure boucle de paille commence généralement à s'estomper en une semaine. Les cheveux peuvent devenir assez secs après les premiers jours. Il est donc important d'utiliser une crème capillaire hydratante pour garder vos cheveux hydratés et les empêcher de se casser en raison de la sécheresse. C'est tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodjanya. À la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye!